ça nous décider aujourd'hui là prendre la rue c'est qui est ce nous identifier. Eh hey, non pas c'est Douyon Maïgarda. M'a suivre l'hôpital général. Et nous prenons la rue pour faire l'état haïtien avec instance qui concerne yo t'en fait attendre voix nous. Yo oublier nous, yo stigmatiser nous, yo discriminer nous. Dans la société. Et donc, vous pensez que nous-mêmes, quand vivons avec VIH, SIDA, nous ne sommes pas moun. Nous sommes moun tant que tout le monde. Nous avons travaillé. Si vous avez une factory ou un job, il faut faire un test VIH. Si le positif, vous ne pouvez pas travailler. Même quand vous avez un madame ou un travail, vous demandez faut faire un test. Pour qui ça? Pour qui ça tout le bagage ça? Pour qui ça? Nous demandons pour qui ça? Est-ce que nous ne sommes pas moun tout nous-mêmes? Nous demandons l'État haïtien. Programme non c'est blanc qui ban nous aide. L'État pas poché sous dossier BVVIH du tout. Nous voter moun nous voyons dans parlement pour yo ka parler pour nous même ka vivre avec VIH sida. Depuis yo venir dans parlement, yo oublier si nous te ba yo pouvoir, si nous te voter yo, nous pas voter pour yo ban nous 50 goud, nous voter yo pour yo parler pour nous dans parlement, mais nous pas gain ça qui fait du tout. Qu'on a nous pas besoin moun parler pour nous encore. Nous mettez quoi nous dehors pour nous parler pour tête nous parce que nous ka parler. Qui ça nous joue dans l'État comme nous? Nous pas jouons rien dans l'État. Nous pas jouons rien dans l'État. Ça nous joue, c'est à Hervé nous jouons. Nous pas jouons rien dans l'État. L'État ici pas penché sous dossier VPVVIH du tout. Bon, nous même là, je viens de dire, ça que fait nous venir dans la rue, nous prenons la rue. Mais ça que fait nous prenons la rue, c'est parce que nous avons droit même ça tout le monde. C'est parce que PVVIH a un droit à tout le monde. Il a un droit à manger, il a un droit à logement, il a un droit pour le travail. Il y a des milliers de gens qui vivent avec le sida dans le sang. Que nous-mêmes nous prenons terrain, c'est pour nous parler pour eux, pour qu'ils attendent nous. Nous avons demandé avec PEPFA, nous avons demandé avec Fonds Mondial, nous avons demandé à l'autre instance qui concerne eux, Onisida, pour qu'ils virent, j'ai gardé dans chaque site, il y a payé l'argent, il y a mis fum l'argent dehors. Pour regarder comment les patients vivent. Quels patients que nous connaissons qui vivent avec le virus sida dans le sang, qui dorment dans le grand cimetière, qui dorment dans le cimetière Tijon, que nous besoin connaître pour ça fini. Parce que le Fonds mondial a débloqué le COB pour les gens qui vivent avec le virus sida dans le sang. Et nous-mêmes, mal vivre. Les gens qui mal vivre. Et ça fait qu'on a un ARV qui vend, que c'est un médicament qui est très dangereux pour les gens qui ne vivent avec le virus sida. C'est patients qui viennent pour qu'ils aient une cob pour manger. Que nous disons non avec le ministère de la Santé publique. Ça concerne le ministère de la Santé publique. C'est un gros regard pour le ministère de la Santé publique. Voyez, souterrain contre médicaments ARV qui viennent dans la rue. Il est bon pour les gens qui vivent avec le virus sida, mais il n'est pas bon pour les gens qui peuvent vivre avec le virus sida. Après ça, ça nous a demandé. Nous avons besoin d'encadrement. Nous avons besoin de logement, nous avons besoin de respect. Nous avons trop de stigmatisation. Nous avons trop de stigmatisation. Nous ne pouvons pas dire côté si on a un patient malade avec virus sida dans le sang pour l'éternité. Nous ne pouvons pas dire sale. Hospitalisation, nous ne pouvons pas dire. Que nous voulons ça. Nous demandons à l'État ça. Pour l'État, toute loi qui a parlé, toute loi qui a dit dans le pays, nous ne pouvons jamais entendre l'État dire bonne loi pour les gens qui vivent avec PVVIH. Mais non, nous ne pouvons pas venir en fait. Ce n'est pas haïtien. Qui pour avoir Sibyl, pour mettre tout le corps dans le poche. Et puis tout, pour garder les gens qui ont pris ARV mal. Parce que les patients ont tellement vivre mal, mais si tu es soleil, les patients ont cité soleil. Mais on va balle ça, ils n'ont pas de côté pour dormir, mais on a toute la rue à dormir. Que nous ne voulons pas ça. Parce que si on si débloque un bagage pour PVVIH, il faut nous joindre. Parce que nous disons non, nous bouquons, nous ne sommes pas capables encore, nous faisons des voix. Nous disons nous dit Abraham 17 à 7, nous frappons les pieds à terre. Oui. Donc et je dis à la nap saluer et la presse en général qui accepté ba nous passer voir nous parce que la presse son outil qui là pour permettre que population exprimer li. Je dis à moi-même comme étant coordonnateur général CSPCSH, nous vinn devant moucher l'État, devant institution publique l'État nous mande pour prendre responsabilité ou. Nous mande l'État pour mettre politique publique pour PVVIH encadrer ou parce que je dis là il est lutte pour société a capable de jeter ensemble discrimination et stigmatisation que les gens qui vivent avec VIH ont subi dans le pays d'Haïti. VIH, c'est pour maladie, c'est un virus. C'est un virus qu'on a contracté par n'importe quel moyen, côté que depuis qu'on n'a pas fait prévention, qu'on a tout faire. Donc VIH, c'est pour maladie mortelle, c'est une maladie chronique. Il est là pour l'État ici comprendre que c'est important pour sensibiliser et former la société.
former jeunes, former moun yo kap bay prestataire de soins yo pour capable suspendre stigmatiser moun sa yo. Je dis à ces groupes jeunes garçons, groupes jeunes femmes ça qui décide prend la rue, prend responsabilité nous, parce que nous comprendre que le programme tiré 95 là, il pas abouti, il pas atteint objectif li 2030 si patients yo pas impliqué dans programme ça. N'a demandé institution qui là pour servir avec patients yo. Donc GU n'a demandé GU qui commence faire un travail important dans mitan société ça nous passé yo. N'a demandé GU une jeune beaucoup plus et d'ailleurs yo tout. Onicida PEFA fond mondial n'a demandé nous diriger garder patients yo. Suspendre garder l'autre monde autour de patients mais garder patients parce que réellement c'est patients qui a subi stigmatisation, c'est patients qui a vivre ma discrimination société a, c'est patients qui a vivre avec réalité VIH là. Donc ça veut pour travail, ça veut pour faire accompagnement, ça veut pour c'est eux même pour encadrer, c'est eux même qui pour nous moyens pour utiliser pour capable une stratégie pour capable permettre que tirer 95 ans atteindre le pays d'Haïti. Je dis à me dire la presse merci. N'a demandé tout OPC, n'a demandé directeur général OPC a. Je dis à la demande pour responsabilité nous. Nous comprenons que je dis à chaque temps qu'on problème dans la société, qu'on catégorie monde qui délaissé pour compte. Moun PVV à société, c'est moun ça, pas de moun qui a pensé pour vous. La chambre, pas de plaidoyer fait pour moun ça, la chambre, pas de loi. Même si moun a subi stigmatisation dans le travail, dans la famille, dans le travail, à l'entour, il va y côté pour l'aller, pour le capable faire droit à la revendication du passé. Nous demandons que la chambre, nous demandons que l'État ici, santé publique, prend responsabilité ou accompagner moun yo mes amis, suspendre stigmatiser moun yo, suspendre discriminer moun yo, c'est moun yo yé ou pas malade, c'est des personnes comme avec en santé yo seulement on virus côté que ce sont pathologies, donc toute la pathologie mes amis. Nous dit la presse merci le fait que permettre que voix nous passer, nous même nous c'est coordonnateur CSPCSH, nous demandé que jodi pour la presse va permettre que nous permettre que voix nous aller dans oreilles l'État, dans oreilles moun qui là qui vous permettre que moun ça vive dans moun. Nous avons suspendu vivre dans le cachet, nous avons suspendu vivre en bas de rang, pour nous être capables de paraître figureux. Je nous fais aujourd'hui pour comprendre que nous tous qui là, c'est des personnes qui méritent de vivre parmi toutes catégories, générations de droits qui existent pour nous vivre. Droit pour à l'école, droit pour au travail, droit pour épanouir, droit pour petit vivre bien, droit pour une santé, droit pour une accès à tout ça qui existe comme soin, comme activité dans la vie, pour l'État faire nous rejoindre ça. Nous avons dit la presse, merci aujourd'hui. Bonsoir, toute presse. Bon, moi, c'est Raphaël Jérôme, je suis représentant GPVO. GPVO, c'est le groupement des PPVIA du département Ouest. Je dis à nous prendre la rue, premièrement, bon, je suis content de que d'autres collègues nous parlent. Premièrement, je félicite Mme Malia, qui représente la FIAVI, qui est sous Boisvena. Esther Boussico, nous sommes capables de faire un gros travail. Et même Sorel, dans le DEMA 31, qui est une grosse association qui a fait un gros travail dans le pays. Moi-même, personnellement, je viens là pour me dire deux mots. Affaire stigmatisation, c'est un gros problème pour les PPVIH. Ou bien un petit poignet, c'est parce que les gens ne peuvent pas sortir. Les gens qui sont là, vous considérez que vous êtes des acteurs. Vous faites être sortir, puis vous paraissez devant la caméra, qui ne pas permettre de cacher les bagailles, vous parlez même avec. Ceci dit, oui, l'État ici veut prendre un programme, mais l'État n'est pas en mesure de prendre un programme. Il y a des instances qui ont influencé sur les gens par la crise économique. L'on prend Panos. Quand fait mon jouer film là-bas au décalage américain, un film qui est mondial. A mettre gros sport, gros bagage, gros board dans toute la rue, décalage américain. Actuellement, qui décalage américain nous coûte 4000 dollars haïtiens, 20000 gourdes. Ensuite, qui s'allie? M'a regardé que gain sacré les moi-même mon pas de dire, m'a toujours dit, c'est moi qui Raphaël Jérôme. Gain organisme qui vient nous représenter là en Haïti que le GU. Cap soucié pour ça mon yo. Qui peut empêcher Mounio de marcher plusieurs côtés, qui ne peut régler rien, tantôt avec un paquet de formation à droite et à gauche. Elles se comprennent en disant que Mounio a nécessité pour aller dans une formation pour Timonet. Attendez, l'homme a perdu de vue, ça représente. Raphaël Jérôme a travaillé déjà. Qui ça représente? Un programme VIH qui mal fonctionné. Mounio a venu sous faux nom, sous faux adresse, parce qu'en Haïti, depuis que nous avons connu que infecté par le VIH, il n'y a pas de bon gobelet à voir, il n'y a pas de bon poignet de main. Nous avons fait faux, nous avons fait adresse, nous avons créé des bagages. Non, pas de stigmatisation, non. Des chômages déguisés. Il y a 10 000 gouttes avec une liste pour chercher les gens, perdus de vie, Grand Ravine, Village de Dieu, Tijo, Babiol, tout côté. Nous avons fait un bagage. 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 Nous avons fait un site. Je fier, je bagaille parce que je ne vais pas nous citer normalement. Ça veut dire que nous créons des chômages déguisés. Et je dis bien, j'ai eu qui permet que, pour dire que pour nous, nous marcher plusieurs côtés, Raphaël Jérôme dit que j'ai eu échoué. J'ai eu, vient lavant l'argent, il vient savon dans l'argent en Haïti,
là bas mon yon timonè mon yon couri par l'information par le plat manger par un 700 gouttes est-ce qu'on s'en donne pour avec un feuille par un bag un gros thermos un cahier un tablette et puis mon ami ton badge dans couri pour la travail tenez tu m'as déguisé pour toute grande ravine dame ça que tu parles là que de Daphné Delva il prend coup de roche dans mon patient déjà pendant la cherche le perdu de vue a toujours gagné perdu de vue tout temps. On centre de santé ou bien on centre hospitalier à bail $30 haïtiens pour frais de transport. Imaginez bien, directeur, m'a parlé. L'homme est indétectable. Il y a un rendez-vous pour 6 mois. Supposons que le centre hospitalier a quand bail $30 frais de transport. Mon a fait effort, lui indétectable. Indétectable à qui ça lié. Et donc, un médicament bien ou prend ou fait ça que nos examens qui ont des charges virales. Il y a pour 6 mois. Maintenant, puisque nous avons mis en noir, nous avons fait choix pour prendre un médicament pour détectable. Le détectable, il suppose venir chaque 2 mois. Pour qu'il y ait un frais de transport, pour qu'il y ait une réunion. Réunion avec un plat chaud. On tire du sexy pour ne pas bouger encore. Et puis un plat chaud. Ensuite, qui s'allie? Je vais un gros coup de chapeau encore pour AHF. AHF, c'est un centre hospitalier qui va nous ticket. Par rapport à l'autre qui plus ou moins. Femme Pereiro, même elle pas gros, son mami Ziri, on dit mami Poifan. Akachon 32, Dikini. Moun yon a misé noir vraiment. Moi même m'gon chance. Hein. M'gon chance. Bageti moun sou kontre. Mon grand-père, c'est kou nan ma père blodeur. Mais, gen moun kap pranchou ma déguisé, pran pa e perdu de vie nan men moun, ap marché, on ba. Yap dormi badja nan kou yo. Yap dormi badjo nan kou yo. Parce que, yon gen histoire nan yap travail. 10 000 gouttes haïtiens, 2 000 gouttes. Qui moun qui prend le travail pour 2 400 $ avec le coût de la vie? Hein? Parfois, il y a des masques hein, qui sont sacrés les bars à la rue. Ils sont 4 téléphones pour les gens qui n'ont pas loin. Ils ont une liste, ils ont une base. Hein? Regardez, vous connaissez tel, vous connaissez. Vous ne connaissez pas le vrai. Il faut nous bail. Mais j'ai eu échoué. C'est Raphaël Jérôme qui dit ça. La source est 100 mounio, même avec Panos. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre. A fait bah mon yo belle bègue yo, moi même c'est Port-au-Prince, toujours là, natif natal, nous prouvé le pas 4 points là. Tu vas pas qu'à égarer, avait dit que j'ai eu qu'à faire un travail qui dit que pour mon yo c'est le côté. Pour employé j'ai eu, yo là, yo là, yo m'en déplie, on c'est le côté, yo bah tout nos 4 là, menti, le arrivé, yo bah. Et m'en est interdit, là que c'est ordinateur, yo bah au médicament. Pas gagné, qu'après que là, un programme VIH. Et pas oublié, VIH pas primordial pour les États-Unis. Je vais mettre médicaments plus dangereux. Mais je suis fier de moi pour ne pas être devant la presse. Je regrette bien pas de mémorial. Ça, je me dis là, quelle femme qui a fait le coco, puis en danger. C'est Raphaël Jérôme qui dit ça. Merci. Je ne comprends pas. Et nous ne comprenons pas tout. Moi pas démenti ça, monsieur Adia, mais concernant. Moi-même, ça m'a dit, je ne vais pas demander ça, monsieur Abdi. Mais concernant GI vient remplir un grand rôle dans le coutume VIH-Sida. Parce que le rôle que GI vient remplir, c'est un rôle qui est instantané, comme on dit, dans la langue PAM. Parce que, quand on prend un médicament, on gaspille. Parce que le médicament est vendu cher. Les patients viennent, ils prennent un médicament d'un côté, ils prennent l'autre côté, c'est gaspillage. Parce que les médicaments vendent cher. Parce que c'est même ça tout qui fait passer un joint de médicaments, ils vendent dans la rue. Hein. Parce que les médicaments, là, on passe 50 côtés, on ramasse les médicaments, ou pas boire les médicaments 50 côtés à vrai. Ou boire les médicaments d'un seul côté. Ok, ou prend médicament d'un seul côté. Ou après moi-même moi c'est un agent. Moi quand porte médicament par un patient, il pas prend médicament non même peut-être qui ça parce que il gagne médicament dans main déjà. Moi ça ca FA, pas gagne prétexte pour patient dit sans manger il pas boire, boire déjà. Regardez, mes exhibitions, c'est dit ca FA, m'pas besoin d'eau, m'pas besoin rien. Vous n'a dit regardez. Ouais. Pas gagne ça. Ça risque de santé. Santé, Edik AFVA. Les amis, Edik AFVA. L'autre jour, je ne qui vendredi, m'a acheté 3 crins pour 100 gouttes devant le tribunal de Pétionville. Sans lui, je ne vais pas vivre. Regardez, regardez la tête là.
Quand athlète là. C'est lui. Bon, fin conclure, pour me dire non, moi pas jamais de mentir avec Saliti du tout. Mais seulement j'ai venu me remplir un rôle pour médicaments pas gaspillés. Pour nous pas gaspiller, pour nous pas gaspiller médicaments. Pour médicaments pas gaspiller. Parce que vraiment vrai, c'est cadeau qui a fait nos cadeaux, nous pas acheter. D'ailleurs, nous pas gagner l'état dans le pays, nous qui pour ta nous fournir nous tous médicaments ça gratis. Parce que chaque boîte de médicaments ça vend au moins de 4 à 500 dollars américains. Les patients viennent, ils prennent médicaments ça yo. Li jete yo, li pa boue yo, c'est en déficit que li mette nou. Parce que c'est en déficit, parce que là yo dépense acheter médicament ou prend médicament plusieurs côtés, ou pa boue l, ou mette l, li vin jete, c'est ça j'ai à faire. C'est ça j'ai à faire. Et puis ensuite tout, m'a parlé pour Panos, parce qu'elle te parlé de Panos, oui, nous faisons un réclame pour Panos. Panos ba nous 200 dollars américains. Là que moi même mal prend 200 dollars américains non. Parce que l'on a fait le film pour lui, il est monté avec nous. Nous dit qu'il n'y a pas de contrat pour nous signer. Il n'y a pas de contrat pour nous signer. C'est juste là. Nous avons recevoir Timonet là-bas. Il n'y a pas de signer une lettre de consentement. Lettre de consentement, c'est parce qu'il a nous 200 dollars américains. Que nous avons gagné, nous avons menacé, nous avons dit nous avons des copes dans nous. Et nous n'avons pas de goutte. Parce que 200 dollars, pas de ici nous rien. Et gagné, nous avons là, qui pas arrêter même la caille nous-mêmes. Parce que 200 dollars pour Haïti, nous rien. Nous pour finir, m'a voyons un gros coup de chapeau pour Caris. Parce que Caris qui vient jouer un gros rôle dans mitan PVVIH. Parce que sans Caris, il y a un pile PVVIH qui pas t'a vivre. Il y a un pile PVVIH qui pas t'a joindre soin. Il y a un pile PVVIH sans Caris, si moun yo pas ka à l'école. Il y a un pile PVVIH sans Caris, yo t'a dormi dans la rue. Et ça que nous dit Caris. Caris encore, nous remercions, nous disons gros merci et nous disons Caris, je t'ai gagné attention pour ta vie, pour ta aller, ou mettre tout fait ce que nous mettez là parce que après où ta finale, parce qu'on va mourir graine par graine de pour ta finale. Merci, merci. Merci à la presse, merci. Merci.